Vous êtes sur RTL. Fallait l'inviter, on vous retrouve Isabelle Choquet. Ce soir, il fallait inviter, nous dites-vous, Valérie Trier-Veller. Qui publie aujourd'hui un nouveau livre, On se donne des nouvelles. Alors fini les révélations fracassantes et les règlements de compte au fil des pages. C'est un livre de souvenirs sur ses rencontres. Fallait l'inviter aussi parce qu'elle a été une première dame atypique. Mal aimée, Valérie, dès le début, c'était l'illégitime, la briseuse de couple. Bon, c'est oublié un peu vite que François Hollande, elle le côtoyait depuis 20 ans comme journaliste politique à Paris Match, que d'après Marianne, c'est lui qui lui a fait la cour et elle aurait résisté longtemps. Et puis qu'elle aussi, elle était mariée et maman de 3 garçons. C'est d'ailleurs pour les élever qu'elle n'a jamais cessé d'exercer son métier. L'indépendance chevillée au corps, comme dirait l'autre. Ça aurait pu se tasser tout ça, mais il y a eu le soir de l'élection de François Hollande quand elle est montée sur scène avec lui à Tulle. Toujours nié, mais les images ne laissent pas beaucoup de doute. On lit sur ses lèvres, embrasse-moi sur la bouche. Elle voulait le bisou ce soir-là. Maintenant, elle le voulait. Femme possessive, autoritaire, tout ça, ça commençait mal. Et alors, ça s'est pas franchement arrangé ensuite. Tweetweiler, c'était l'un de ses surnoms. Et il y aura le tweet de trop. Un soutien à Olivier Falorni, le rival de Ségolène Royal à La Rochelle. François Hollande en aurait pleuré de rage, paraît-il. Elle a tout juste reconnu une erreur du bout des lèvres. Je tournerai 7 fois mon pouce maintenant avant de tweeter. Trier-Veller, femme libre, mais surtout femme jalouse. Elle le reconnaît d'ailleurs, jalouse avec tous les hommes qu'elle aime. Elle veut être la seule, comme si l'autre n'avait jamais existé. Elle veut des preuves d'amour éclatantes. Alors à cette époque, une vidéo tourne en boucle sur les réseaux sociaux. Une petite dame qui dit à François Hollande dans un déplacement « Ne vous mariez pas, on l'aime pas ». Alors quand on interroge Valérie sur son non-mariage avec le président, on sent poindre l'agacement. Qu'est-ce que ça change? Est-ce que vous connaissez les paroles de la Marseillaise? Bien égorger nos filles, c'est nos compagnes. On parle pas d'épouse, on parle de compagne. C'est un très joli mot. Et on est ensemble parce qu'on s'aime, pas parce qu'on est obligé de rester ensemble, parce qu'on serait marié ou autre chose. Et voilà, c'était dans C'est à vous, il n'y aura pas de mariage. Une autre rivale est déjà là, Julie Gayet. Rupture, tentative de suicide et 7 mois plus tard, un livre choc. Merci pour ce moment où elle déballe tout, notamment ce mot affreux, les 100 dents. Au passage, elle rappelle d'où elle vient. Elle qui a grandi dans une cité HLM d'Angers entre un père invalide de guerre et une maman en caissière à la patinoire. Trier-Veller, femme revancharde, ben voilà, le tableau est complet. Et ça va quand même se vendre à 600 000 exemplaires. Hein. Et ça va surtout lui permettre de tourner la page, c'est le cas de le dire, car depuis, elle s'est réconciliée avec François. Ils se sont revus et elle précise, sans casque. Humour. Elle a écrit un roman et aujourd'hui, elle file le parfait amour avec l'ancien rugbyman Romain Magellan. Alors dans son livre, elle adresse un petit clin d'œil à son ex, elle écrit « Merci pour ces lendemains ». Voilà, le livre s'appelle « On se donne des nouvelles ». Et il faut souligner aussi que Valérie Trier-Veller est une très fidèle marraine du Secours Populaire, un engagement qu'ils ont depuis des années. Merci beaucoup Isabelle. À demain. Dans un instant, on va refaire le monde sur RTL. Thomas Soto, RTL Soir. J'ai...